Alors, en janvier 2013, j'ai eu une inflammation de la moelle épinière. Donc, au début, ça a été considéré comme un événement isolé. Voilà, et en fait, j'ai gardé des séquelles de cette inflammation de la moelle. Et en janvier 2014, j'ai eu un nouvel événement qui, en fait, a été donc du coup considéré comme étant une deuxième poussée. Et c'est là qu'ils ont donc posé le diagnostic de sclérose en plaques. Et vous travaillez ? Je suis en arrêt maladie depuis janvier 2013. D'accord. Et vous faisiez quoi ? Je travaillais dans le social. Ah oui, dans j'étais quoi ? Tuteur. Tuteur, d'accord. Non, je pense que moi aujourd'hui, je suis plus en capacité de travailler. Sur le côté gauche, j'ai des troubles de la proprioception. Je sens, en fait, si je regarde pas où est ma jambe gauche, je sais pas où elle est. Mmh. Voilà, donc c'est difficile pour moi quand je marche, quand je conduire, c'est plus possible. J'ai des problèmes cognitifs, d'attention, concentration. Donc la conduite, c'est pareil. J'ai des douleurs neurologiques, pas mal. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le traitement pour calmer tout ça. J'ai des problèmes urinaires. Ouais. Enfin, voilà. Depuis janvier 2013, je sais plus ce que c'est qu'être en forme. Mon travail était très stressant, je m'occupais de personnes qui avaient des pathologies psychiatriques, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, dès que j'ai un petit stress, j'ai de suite des douleurs neurologiques qui arrivent, j'ai des sensations anormales qui réapparaissent dans mon corps. Donc je sais que de toute façon, ce travail-là, je ne peux plus le faire. C'est plus envisageable. Et puis, concrètement, j'ai tellement peu d'énergie que en termes de concentration, par exemple, je tiens à peu près une vingtaine de minutes concentrée. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à trouver un travail où je peux travailler 20 minutes. Il me faut une heure et demie pour me remettre, quoi. Voilà. Je suis vraiment très fatigué et très fatigable. J'ai la RQTH, la reconnaissance de travailleur handicapé, j'ai la carte de priorité, j'ai la carte de stationnement. Ça n'a pas été trop compliqué de passer cette étape ou... Moi, ça m'a plus fait bizarre de remplir le dossier de la MDPH pour moi, alors que jusqu'à maintenant, je l'ai remplissé pour les gens dont je m'occupais. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'au niveau du nom, c'était mon nom. Voilà. Mais en dehors de ça, non, parce que je connais, enfin voilà, je sais que j'ai besoin de faire ces démarches-là. J'ai pas eu l'impression que ça lui pose, en tout cas en apparence, une réelle difficulté de devoir remplir un dossier, de devoir s'inscrire dans une démarche de, cette fois, de personne avec un handicap. Voilà. Et ça m'a étonné. C'est peut-être moi qui ai peut-être plus de mal, entre guillemets, à le réaliser ou, je sais pas si c'est le mot accepté, mais à faire le cheminement pour me dire, voilà, ben, c'est comme ça et ça va être comme ça de façon récurrente et rentrer dans la vie chronique. Voilà. On dit souvent pour l'entourage, c'est plus difficile, que ce soit plus impuissant. Oui. C'est pas nous qui sommes... Un, plus impuissant, et deux, c'est une maladie aussi qui ne se voit pas, à part le fait qu'il boite, qu'il a une canne maintenant, mais c'est vrai que c'est... lorsqu'on rencontre des gens, il a l'air toujours d'être en pleine forme, quoi. Et c'est vrai, ah, mais ça a l'air d'aller bien, et ça a une vie aussi, ah, ben tu retravailles, tu refais, enfin voilà, tu étais dans une activité professionnelle, ben non, je ne suis pas dans une activité professionnelle. Et c'est vrai que les gens ont du mal, enfin, la vision, le regard extérieur, autant on se plaint quand quelqu'un est handicapé, que ça se voit et qu'on a un regard différent, autant on a aussi la contrebalance d'Hervé qui a une maladie entre guillemets invisible, et c'est plus difficile aussi de, j'allais dire, le faire accepter, en tout cas, faire passer le message et que ce soit compris par les autres. Même moi, en tant que conjoint, des fois, j'ai du mal à... Mais vous l'oubliez. Ah oui, je l'oublie. Voilà, c'est clair. Vous oubliez la maladie. Et s'il ne me dit pas qu'il est fatigué, je ne le devine pas, si ce n'est qu'il est sur le canapé. C'est vrai qu'il se repose plus qu'avant et il en a besoin. Vous ou un de vos proches êtes concerné par la sclérose en plaques ? Venez nous rencontrer.